Leblanc et Pasquale Procopio. L'arbitre du combat, your referee in charge, Steve Saint-Germain. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte blanche et noire et pesant 183,4 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wears white trunks with black trim. His official weight, 183.4 pounds. En 27 combats, il a 12 victoires, 10 par KO et un verdict nul. His professional record shows 12 victories, 10 coming by way of knockout and one draw in 27 bouts. This man is from Miami, Florida, USA, Christian Cruz. Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte rouge ornée de noir et d'argent et pèse 184,6 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears the red trunks with black and silver trim. He tipped the scale at 184.6 pounds. Il effectue ce soir ses débuts professionnels, appearing tonight in his first professional bout. De Montréal, champion du monde amateur 2009, champion de la Coupe du monde 2008 et participant aux Jeux olympiques de Beijing et de Londres, Arthur Beterbiev. Alors Mike, on est déjà prêt pour le premier combat de la soirée. Beterbiev, on en dit beaucoup de bien. On n'a qu'à voir sa fiche amateur, nouvellement installée à Montréal contre le vétéran Cruz. On s'attend à quoi comme affrontement? Ça va être intéressant. Du côté de Beterbiev, 28 ans, 34 pour Cruz. Il est pro depuis 2001. Premier combat, bien sûr, pour le Russe. Et 6 pieds et 1 et demi pour Beterbiev. Donc, un petit avantage de ce côté-là. Alors, premier combat de la soirée. C'est un 4 rounds chez les Milours. Beterbiev, culotte rouge avec un peu de blanc argenté, souliers bleus si vous préférez, Cruz, culotte blanche, bonne gauche déjà appliquée dès le départ par Beterbiev. Ouais, Cruz qui déjà semble trouver la puissance d'Arthur assez solide. Du côté de Cruz, il a perdu ses 10 derniers combats, Daniel. Beterbiev qui impose le ton dès le départ, hein, Mike. Pas trop nerveux à son premier combat pro. Non, absolument. Fonce directement sur Cruz. Vous voyez, une belle défensive. Tellement d'expérience au niveau amateur. Mais encore une fois, il semble faire mal. Il est solide, en tout cas. Dans son coin, on aperçoit notre autre Marc Ramsey, Ross Amber, André Koulecha, son préparateur physique également. Un boxeur avec beaucoup de potentiel. Du côté de Cruz, il a affronté plusieurs boxeurs qu'on connaît bien, dont Jean-Pascal, Richard Boutet et Renan Saint-Just. Les trois fois, les Québécois l'ont remporté. Déjà une coupure, je pense, au visage de Cruz, Mike. On met l'enchaînement de Beterbiev. Cruz monte la garde assez rapidement. Oui, on le voit, son œil droit, justement, tu en parlais un peu plus tôt. Et du côté de Beterbiev, on voit chaque fois qu'il frappe Cruz, semble souffrir énormément. En belle esquive de Beterbiev qui enchaîne aussitôt avec les coups. Vous voyez, Beterbiev, là, c'est un boxeur qui avance tout le temps. Il bouge les épaules, s'amène. Bon coup au corps. Frappe avec autorité. Beterbiev a été mis sous contrat par Jim. Il a été utilisé, Mike, par plusieurs organisations. Il a choisi Montréal. Oui, pour des raisons vraiment que c'était la chimie, surtout avec le groupe Yvon Michel. Il est venu ici seul et sa famille et ses enfants vont le suivre au cours des prochaines semaines. Alors, Cruz qui tente quand même de placer des coups dans ce premier round d'échange. Moi, ce que j'aime de Beterbiev, déjà, là, vous voyez, premier combat sans casque, mais pratiquement aucun respect pour son adversaire, mais toujours être bien conscient de sa défensive. Et il est précis dans ses coups de poing. Regardez, à chaque fois qu'il lance un coup de poing, il touche pratiquement la cible. Vous voyez à quel point il est efficace. Cruz qui se retrouve au sol, c'est une chute il me semble déjà énormément essoufflé comparativement à Beterbiev. Je connais pas vraiment la forme physique de Cruz, là, mais il semble déjà à bout d'énergie et il reste encore une quinzaine de secondes au premier round. Parce que dès les premiers instants du premier round, il s'est fait frapper solidement. Donc, vraiment, ça l'a découragé. Oh! 2, 3, 4,
quelle main droite de la part de Beterbiev. 7, 8. Look at me, look at me. Good. Box! Hey, il revient au compte de 8, mais c'est déjà la fin du premier round. On va à la pause. Mike, premier round qui va à l'avantage de Beterbiev, sans l'ombre d'un doute. Oui, sans l'ombre d'un doute. On a vu la dernière main droite de Beterbiev et Cruz qui, lui, semblait signaler à l'officiel que c'était un coup qui était porté derrière la tête. Alors, on va voir la reprise ici. Regardez bien la main droite. Un peu sur le côté, effectivement, mais c'est pas un coup qui était derrière la tête, je ne crois pas. On va revoir d'un autre angle maintenant. Bon, c'était pas un coup salaud, là. C'était... Ah, absolument pas. C'était sur le côté de la tête. Tout à fait légal. Un coup précis de la part de Beterbiev, donc un 18 à la carte. Absolument. Okay. Let's go, baby. Let's work. Okay. Okay, take a deep breath. But. Et de retour au Centre Bell. Deuxième round entre Beterbiev et Christian Cruz. Premier round à l'avantage. Nouveau protégé de Jim Beterbiev qui l'a pris. Moi, j'ai comme l'impression, Daniel, que ça va se terminer dans ce deuxième round. Ah, bon, c'est intéressant ta prédiction, Mike. On va voir ça. On a vu un Beterbiev en pleine confiance. On a vu la belle main droite au corps. Immédiatement, revient à la tête. Voyez, il n'arrête pas ce Beterbiev. Continue de mettre de la pression. Et là, c'est dangereux pour Cruz. Toi, du côté de Cruz, quand même 144 rounds d'expérience chez les professionnels. Beterbiev, c'est son deuxième round en carrière. Il semble s'amuser là, avec Christian Cruz. Mais c'est quand même un début tardif à 28 ans chez les professionnels. Oui, participé bien sûr aux Olympiques, à deux Jeux Olympiques, dont ceux de Londres en 2012. Donc, il voulait gagner une médaille d'or, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Donc, il a décidé de tourner professionnel cette année. Oh! Et t'as entendu le son de la droite? Aïe, aïe. Je pense pas que Cruz va vouloir continuer. 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on a un compte de 8. Est-ce qu'il veut continuer? Est-ce qu'il a un doigt dans l'œil? Ou un pouce dans l'œil, en fait? Je sais pas, mais il démontre quand même beaucoup de courage de vouloir continuer à se battre avec ce boxeur russe qui frappe avec tellement de puissance. Beterbiev ne bronche pas. Hein. Il est bien ancré au sol et se porte en attaque dès que l'occasion se présente. On le voit l'expérience déjà, Mike. Place le jab en premier. Bon, l'officiel là, qui regarde de plus en plus du côté de Cruz. Une belle découverte, Beterbiev, jusqu'à maintenant, Mike. Combat pratiquement parfait. Là, c'est son premier combat et on voit qu'il ne se fait pratiquement pas frapper. Il est capable de bien se coller lorsque Cruz s'approche contre lui. Encore une fois. Troisième shot. Lance, ça sert on est dans le coin de Cruz et on fait signe. C'est terminé. Seven, c'est terminé. Voilà. On indique la fin de ce combat. Cruz a reçu sa bonne part de coups. On va s'entendre dans ce combat-là. Et Beterbiev. Oh, les gens apprécient. Ah, avec raison. Avec raison. Ta prédiction était pas mal bonne, Mike. Ouais, je pense qu'on peut donner un A plus à Beterbiev. Tout à fait. Ouais, alors on s'affaire dans le coin à Beterbiev à le féliciter. Mark Ramsey, Ross Amber notamment. Pas trop d'équivoques dans son visage. On va voir ce qui s'est passé. Première chute au tapis de ce deuxième round. Encore la main droite. Aïe. Directement sur le nez. Ça, là, c'est la deuxième chute. Ça, c'était vraiment comme en anglais, on dit un overhand, un peu par-dessus, qui a frappé un peu le côté de la tête de Cruz. Mais je pense que de toute façon, il fallait arrêter ce combat-là. Je pense pas que Cruz avait une chance légitime de l'emporter. Donc, belle victoire pour Beterbiev. Ben, j'ai déjà hâte de le revoir, Beterbiev, en action, parce que pour un mi-lourd, il m'a présenté de belles qualités athlétiques. Première victoire, donc, chez les professionnels.
Et avec si peu d'action aujourd'hui, ce serait pas étonnant de le voir très prochainement, peut-être même dans le prochain gala de Gym. Ah, je suis convaincu qu'on va le revoir très, très rapidement. Il a même promis d'apprendre des cours de français. On verra pour la suite. Là, c'est pas le premier athlète néo-québécois à se présenter à dire je vais apprendre le français, mais il a promis de le faire. Doucement, doucement. Toute une performance de Beterbiev, Daniel. Belle victoire. Alors, on va entendre la décision de Christian Gauthier dans quelques instants. Rappelle que c'est le premier de 7 combats ce soir qui vous est présenté. Évidemment, ça prend un traducteur. Pas sûr que Ross Emble parle très bien russe. Alors, combat à venir ce soir, Didier Benz, Éric Barak, un duel de Québécois. Ça ne pas manquer au cours des prochaines minutes. Un peu plus tard également, on aura Sébastien Bouchard, Francesco Cotroni aussi. Ça aussi, c'est des boxeurs locaux qui s'affronteront. Mais bien sûr, deux combats de championnat du monde à vous présenter au cours de la soirée. Et on peut dire quand même, Daniel Cruz, qui est dans notre coin, on a vu son visage quand même moins de deux rounds. Et je peux vous dire qu'il est quand même très amoché. Je pensais pas qu'il s'en venait se faire tatouer. Ladies and gentlemen, Christian Cruz's corner stops his bout. Throws in the towel at 2 minutes and 21 seconds of the second round. Le gagnant de ce combat par arrêt du coin de Christian Cruz à 2 minutes 21 secondes du deuxième round. Gagnant par KO technique. The winner by TKO, Artur Beterbiev.